Hello tout le monde, ça y est, c'est le 1er décembre et puis ça y est. Je vous montrerai ce soir ce que Tiffania a eu dans son calendrier de l'Avent qui, somme toute, est très joli, franchement. Je l'ai installé hier, ce matin, du coup, et en découvrant ça, je me suis dit, bah, franchement, j'aurais dû l'installer plus tôt. Pour 10 euros à peu près, ouais, une dizaine d'euros, franchement, je suis assez étonnée du design. Elle pourra même, si elle veut, le garder, si elle ne l'arrache pas trop dans sa chambre pour faire une petite déco. Franchement, c'est pas mal du tout. Je me dirige vers ma salle de bain parce que je vais vous montrer si l'objectif n'est pas trop dégueu. Peut-être derrière. Hier, j'ai réorganisé un petit peu la salle de bain. Vous êtes trompés. Et du coup, en fait, j'ai mis mon make-up. Je vous montre. J'ai mis... Hop, attendez. Voilà. En fait, là, j'ai mis le make-up. Là, ce sera des produits à tester. Pour moi, je m'y retrouve, hein, mais il y a des produits à tester. Il y a des produits que j'ai utilisés, que j'ai changé de place et tout ça. Là, ça, c'est mon Project Pan Rotation Make-up. Là aussi. Là aussi, parce que ça, c'est tous les rouges à lèvres là qu'il y a dans le coin. Là, c'est tout ce qui est teint. J'ai essayé de regrouper. Et la petite boîte, c'est tout ce qui est yeux. Là, ce qui est là, c'est ce qui ne rentre pas en fait. Ça, c'est parce que j'aime bien que la gelée, elle soit sur le bord. J'ai pas envie d'aller gratter dans le fond. Et sinon, ce qui est là, c'est parce que ça rentre pas dans les boîtes. Là, c'est des pinceaux que je dois laver. Du coup, je vais en profiter un petit peu tous les matins pour les laver. Et tous mes crayons. Mais clairement, il faut que je trouve un autre emplacement pour mes crayons. Ensuite, ici, ça va changer un petit peu incessamment sous peu. J'aimerais bien avoir ce que je veux, mais bon, écoutez, on ne peut pas tout faire tout de suite, c'est pas possible. Ça, c'est mon truc à cheveux. Donc, dedans, vous avez tout ce qui est mes brosses, mes soins, mes lacs. J'en ai une là qui traîne, mais il faut que je la remette. Mes lacs, mes huiles et tout ça. Là, dans le coin, ben, là, j'ai mon truc pour attacher mes... Enfin, protéger mes cheveux. Ouais, ça, c'est les mongols de mon mari et son copain. Là, du coup, c'est les pinceaux que j'ai lavés ce matin. Je les ai utilisés ce matin. Je les ai lavés et je les mets à sécher. Je vais les mettre après près du radiateur. Mes éponges. Ça, c'est l'éponge pour mon nettoyer. Elle n'est pas à la bonne place. Mes éponges propres. Mes pinceaux propres. Et c'est tout. Ça, c'est le truc que j'utilise de temps en temps. Je n'ai pas encore pris le pli. Et ça, c'est l'éponge que j'utilise ce matin, que j'ai pré-lavé parce qu'en fait, je mets tout dans un filet qui n'est pas présent. Il faut que j'aille le rechercher, il doit être à la cave. Et en fait, je mets tout dans le filet. Et quand c'est dans le filet, je mets à la machine à laver. Et en fait, j'ai mis ici, à l'abri, mes palettes. Ouais. Vous avez un petit aperçu de ce que je vais utiliser ce mois-ci. Sauf que j'ai pété ma Natasha Denona. En fait, en faisant tout ça hier. Coucou tout le monde. Je vais la mettre là parce que. Elle va me mettre du noir partout en faisant... De toute façon, vous voyez déjà, hein? Elle est dégueu, de chez dégueu. Ça me démoralise. En faisant mon rangement, Tiffany est venue. Elle m'a un petit peu embêtée. Et en fait, j'étais déjà énervée d'avance. Donc, ce n'était pas spécialement Tiffany. Donc, du coup, le noir, il est explosé. Ici, le marron, vous voyez, qui est cassé. Le duochrome aussi. Celui-ci, il a été dépoté. Je l'ai repressé. Pour le moment, ça tient. Clairement, je ne vais pas trop la retourner dans tous les sens. C'est vraiment pas une palette que je transporterai. Je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, et puis maintenant, c'est même plus rangé dans le bon ordre. Et je suis tellement dégoûtée que j'ai même pas envie de la remettre dans l'ordre. Hop, attendez, on va se re-regarder tous ensemble. Voilà. Je suis même pas. J'ai même pas envie de la remettre dans le bon ordre. Donc, pour le moment, elle reste là comme ça. Et mon armoire, elle va changer aussi. Quand je pourrai, quand j'aurai les moyens. Parce qu'on n'a pas toujours les moyens, n'est-ce pas? Surtout là, avec Noël qui arrive, clairement. On fait doucement les moyens. Du coup, mon truc qui s'est retrouvé ici pour moi sécher le linge, ça m'embête. Mais mon mari m'énerve, il le trimballe dans tous les sens. Mais du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté au mois de novembre en make-up et en soins. Parce qu'il faut que je vous parle d'un soin. Donc, du coup, je retourne. Ça sent le gaz parce que mon mari a mis son turbo, là, je sais pas quoi, là, pour le gaz. Et du coup, ça pue. Oh. Il est là. Il y en a mangé des croques dessus. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Bon, déjà, je vais vous montrer ça. C'est chez Lidl. C'est Sien Bio. C'est la crème de nuit à l'aloe vera. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est fabriqué en France. C'est un soin hydratant intense. C'est le deuxième que j'achète. J'en avais déjà acheté un. Et franchement, j'aime beaucoup. Attendez, je vous installe. Hop! J'aime beaucoup ce produit, c'est une bonne crème de nuit, bien hydratante et tout, donc franchement je l'ai rachetée, elle est vraiment pas chère, je crois qu'elle est dans les 3 euros, quelque chose comme ça,
Donc vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Ensuite, attendez, je prends tout. Voilà, normalement, on est bon. Ouais, on est bon. Alors, j'ai commandé sur AliExpress dans la boutique Beauty Luxe un Spider Gel. Donc, je l'ai reçu. Voilà, c'est un noir. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas l'ouvrir maintenant. C'est tout, c'est comme ça. On l'ouvrira peut-être quand je ferai des nail art. De toute façon, il faut que je vais vous faire des vidéos nail art aussi pendant les vlogmas. Du coup, avec, il y avait une offre, enfin, ça en cadeau, c'est des stickers Papa Noël avec des cloches, des guirlandes. Pas trop mal. Ensuite, j'ai trouvé chez Action, quand Emma l'a mis en story, j'ai été voir tout de suite. Et je l'ai trouvé chez Action, c'est celle-ci. C'est la Let's Face the Glow. C'est celle-ci, c'est de chez Fab Factory. Elle est très jolie, franchement, elle est très jolie. Ce sont ici des teintes un petit peu neutres, rouge, brique et tout ça. Ensuite, nous avons tout ce qui est plus rosé. Voilà, il faut aimer le rose. Mais moi, ça va. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est dans le genre. Hein. Et en dessous, vous avez pour le teint. Et j'adore ce genre de palette. Comme ça, vous avez tout. Vous en prenez qu'une pour partir en vacances. Je vais peut-être me la prendre pour partir au ski. Bronzer, highlighter, deux blushs. Il y en a un plus pêche et un plus rose. Et franchement, la caméra, comment dire, elle rend les couleurs plus vives. Hein. Je vous le dis au cas où. Ensuite, j'ai trouvé les deux nouveautés que j'avais vues sur Internet par rapport à Essence. Et c'est les petites palettes comme ça. Là, ici, c'est la Don't Stop Believing In. Et vous l'ouvrez comme ceci. Voilà. Et là, c'est écrit. Dedans, vous avez plein de mots pour dire ne cessez pas de croire en vos rêves, en vous, en l'amour, en vos amis et tout ça. Donc là, vous voyez, c'est plus dans les teintes prunes, brunes. Je ne vais pas faire de swatch, on essaiera. Ensuite, j'ai la Don't Worry Be. C'est plus une neutre avec des tons vraiment plus neutres. Alors, Don't Worry Be. Exciting, positive, happy, euphoric. Hop, vous voyez ici, c'est vraiment un marron foncé, un beige, trois lumineux qui semblent super beaux et un petit brun comme ça qui semble pas mal du tout. Donc ça, je l'ai. Et celle-ci, elle me faisait de l'œil de fou depuis un moment. C'est vraiment les teintes que j'aime. Je vais jamais savoir l'ouvrir tellement il y a du scotch partout. Je vous montrerai ça quand je l'aurai déballé. D'abord, je la déballe. J'ai acheté ça chez Cruduvat, hein, en fait. Oui, Cruduvat fait cette marque-là, c'est nouveau, hein, c'est récent. J'ai regardé par rapport aux autres sites internet. Eh bien, écoutez, elle est moins chère que chez Nocibé. C'est moins cher aussi que chez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, je me suis pris la Flower Child, la peau pourrie de chez Root Cosmetics. Alors, elle est comme ça. Ouais, le packaging, regardez-moi tout le scotch. Il y en a partout, il fait le tour du packaging, le scotch. Et... Bien. Voilà, ça c'est la palette en elle-même. Elle s'ouvre comme ceci et elle est trop belle. La petite protection. Vous avez le petit miroir ici qui fait vraiment... Bah, j'aime bien parce que ça fait vraiment une fenêtre quoi. Donc ouais, il en faut très peu. Et ça c'est la Color Story de la palette. Donc vous voyez très bien, c'est vraiment moi ce que j'aime. Du brun, du orangé, du vert, du jaune. Voilà, je la trouve magnifique. Il y avait d'autres palettes, mais clairement, non, ça ne m'intéressait pas de les prendre. Et j'ai pris celle-ci, je suis vraiment, vraiment satisfaite. Si vous me voyez regarder en face, c'est juste parce que je regarde la palette dans le retour écran. Et puis vous êtes en face au téléphone. Donc voilà, je ne suis vraiment pas déçue de l'avoir trouvée. Je ne sais plus combien je l'ai payée, le prix n'est pas dessus. Non, le prix n'est pas dessus. Mais franchement, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Il y avait aussi les petites palettes Sifar. Les toutes petites, j'essaierai de vous mettre une photo ici. Mais non, ça ne m'intéressait pas trop bien. Donc voilà, on se retrouvera certainement... non, je n'ai pas fini, je suis bête. J'ai trouvé ça aussi. Alors ici, c'est un lip oil de Algae with Hydrating Effect. C'est celui-ci. C'est un bleu vert. Et il teinte... Enfin, c'est même pas teinté, c'est juste donner un voile froid sur vos lèvres.
pas froid, hein, froid, avoir froid, mais froid, la teinte froide. Vos lèvres tournent vraiment en lait très légèrement bleuté. Il est très agréable, donc ça, je suis contente, il pique pas du tout. Et ensuite, j'ai trouvé le nouveau eyeliner de chez eux, le Lash Princess Liner, donc voilà. Donc, c'est des nouveaux tests à faire. Donc voilà, et du coup, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer ce que Tiffany a eu dans son calendrier de l'Avent, parce que je ne sais pas où elle l'a mis. Moi, ici, j'ai une cliente après-midi, donc je ne vais certainement pas vous reprendre avant. Un petit peu parler du déroulement de ce mois-ci, du coup, étant donné que, comme l'année dernière, il va y avoir des vidéos tous les jours. Donc, pour parler un petit peu de ce qui va se passer ce mois-ci. Ce mois-ci, ça va être une vidéo par jour, et dans les vidéos, soit vous n'aurez que moi, et ma journée passée, soit vous aurez une vidéo, vraiment une vidéo, c'est-à-dire par exemple un crash test, des choses comme ça. Who is it? Soit un crash test ou des choses comme ça, ou alors j'intégrerai à la vidéo une partie de vidéo où je fais où je vous fais une recette ou où je vous fais un nail art, vous voyez, enfin, voilà, des trucs comme ça. On parlera ben, comme d'habitude, ben, en fait ça va juste pas trop changer, c'est juste que vous me verrez ma tête tous les jours. Ça va vous faire plaisir, dis donc. Dites-le que ça va vous faire plaisir. Avouez, avouez. Bon allez, sur ce je vous laisse. Ah oui, non, hier on a regardé The Grinch avec les enfants. Si j'y pense, je vous en parle tout à l'heure parce que hier il m'est pas arrivé que la palette. Et je vous montrerai ça un peu plus tard. Allez, bisous, à tout à l'heure. Petit chaud, c'est bonjour, j'attends pas. Tu me casses les pieds. Régina, 4 fromages, chicken, Tonino. On commande une pizza. C'est très compliqué de choisir. Country. Tu peux te taire? Non. 2 secondes. Non. C'est très bien qu'il faut que je parle. Tais-toi. J'ai besoin de m'extérioriser. T'exprimer. M'extérioriser. Bon. Tiffany, elle a eu ça, du coup. Je peux vous le montrer. Elle l'avait rangé, là. Je l'ai. Mais elle est dure à ouvrir. Oh. Voilà. Un petit gloss. Oh, il sent bon. Il sent bon, oui, ah ouais. Il sent le chewing-gum. Okay. Bon. Donc voilà. Mmh. Demain, vous verrez de ce prochain téléphone, truc. Téléphone, là. Tu demandes s'ils sont verts. Téléphonez, elle. Mon téléphone. Demandez s'ils sont. Bah, et alors j'ai pas encore choisi la mienne de pizza. Le téléphone, le morceau ouvert. C'est ouvert, c'est écrit 7 jours sur 7. Téléphone, le morceau ouvert. S'il te plaît. Bonjour, excusez-moi de déranger. Bonjour, excusez-moi de déranger. C'est pour savoir si vous êtes ouvert aujourd'hui, si vous faites des livraisons. Et c'est pour savoir. C'est pour savoir si vous faites des livraisons aujourd'hui. Sur saut de pain. 0-3-27-24-08-32. Ouais, pas là-dessus, là, au pire. Ouais, tu prends le mien, là, aussi. Hein. Attends. Tiffany. Le téléphone, là. Bon, mais du coup, ce sera notre premier jour de vlog. Donc, c'est... ouais, je fais une journée à vlog. Nous allons commander une pizza. C'est déjà dit. Ah, merde. C'est pour ça que je t'ai demandé de te taire 5 minutes. Bon. Il a l'agonie, il a mal au bras. J'aimerais bien voir le truc. 0-3-27-24-08-62. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain pour le 2 décembre. Je sais pas si je vais continuer à vous les mettre tous les soirs ou alors si vous les aurez demain. On verra bien. J'ai pas téléphoné. Tu appelles. Mais je pars.